1981. Le berceau du projet est dans une ferme à rénover au lieu-dit La Martinière à Martinet. À l'époque, je suis professeur de batterie dans l'école de musique de Châlons et je suis également maître auxiliaire en musique dans un collège dans la même commune. Le projet capte l'attention de mon entourage et dès l'été 1982, nous entreprenons la rénovation de la grange et de son toit. Amis musiciens, collègues enseignants, famille passe l'été 1982 sur le toit de la grange pour le remettre en état. Des amis musiciens, avec qui je joue dans différents groupes à l'époque, rejoignent mon projet. Nous avons adapté le lieu et nous avons l'équipe de musiciens disponible pour ce projet. L'activité musicale peut commencer. Et c'est avec étonnement et satisfaction que nous accueillons 40 élèves dès la première année. L'atelier musical est né. D'autres professeurs rejoignent l'atelier. Au vu des demandes, nous avons aménagé d'autres salles pour les cours individuels ou collectifs. En 1984, nous décidons de nous organiser en association loi de 1901 que nous déclarons à la sous-préfecture des Sables-d'Olonne. En 1985, nous décidons d'utiliser le potentiel de la grange pour y faire des concerts en intérieur et des concerts en extérieur. Nous innovons aussi avec une fête de la musique et des arts. Alors moi je suis venue à l'atelier musical avec les enfants. Nous avons eu 4 enfants. Ils ont fait un peu de musique à l'école, mais je trouvais que c'était un cadre scolaire. Et c'était bien aussi qu'ils voient autre chose par rapport à la musique. Ils ont choisi leur instrument. Et voilà, selon le tempérament de chacun, c'était plus ou moins difficile. La proximité leur permettait d'être autonomes. Voilà, la proximité, le coût aussi, parce que en ville, c'était très élevé financièrement. On ne pouvait pas avec plusieurs enfants. Voilà, et la proximité, les enfants pouvaient y aller en vélo éventuellement. Ça, c'était intéressant aussi. L'article 1 des statuts définit les buts de l'association ainsi. Développer par l'écoute, la diffusion, la pratique et tout autre moyen, la découverte et l'étude de la musique. Favoriser la création musicale sous toutes ses formes, seule ou en groupe, et à tous les niveaux, par des ateliers divers et par le soutien à la diffusion éventuelle de ses créations. Les musiques modernes sont aussi à l'ordre du jour, bien sûr. Le jazz, la variété, le classique ou le traditionnel cohabitent sans problème. Favoriser l'épanouissement des enfants et des adultes par l'accession à l'audition de musique et à la pratique musicale, non dans la seule perspective du professionnalisme, mais par l'accomplissement de chacun dans la musique pour le plaisir. Pour mieux définir le son, pour mieux comprendre les différents timbres, pourquoi ne pas construire un instrument? La lutherie s'adresse aux plus jeunes qui ainsi maîtriseront mieux les phénomènes sonores, mais aussi aux adultes qui pourront s'initier aux techniques de fabrication des instruments et réaliser des instruments simples ou plus élaborés.
Qui c'est qu'on invente un autre? J'ai tous les trous bouchés, regardez, j'ai tous les trous bouchés et je vais les déboucher un par un. Un outil moderne de travail et d'écoute, promotion pour les groupes régionaux, amateurs ou professionnels, c'est aussi une technique d'apprentissage nécessaire à l'élève d'aujourd'hui. Depuis 2 ans, l'association s'ouvre également à l'extérieur et organise des spectacles variés. Motivation, aboutissement pour les élèves, contact avec la scène, il représente aussi un espace de promotion pour les artistes régionaux et une ouverture culturelle pour les adhérents de l'association. Les écoles sont aussi des lieux d'intervention. Sensibiliser les enfants, les jeunes à la musique, présenter l'instrument, expliquer son fonctionnement, les styles musicaux que l'on peut pratiquer avec. Voici donc les réalisations concrètes de l'association musicale en 5 ans d'existence. Avec peu de moyens matériels et financiers, mais grâce à un investissement humain important, elle répond aujourd'hui à un besoin réel de cette région décentralisée. Nos premières rencontres, je pense que c'était autour du collège, du lycée Bleu au Sable d'Olonne. Pour de musique, moi je m'occupais de l'éducation physique à cette époque-là. Et ensuite, mes deux enfants, Jean-Noël d'abord a fait de la guitare à la Martinière avec François, et Julien a fait de la batterie avec toi, voilà, donc tous les mercredis. Ensuite, je me souviens aussi des fêtes de la musique au mois de juin à la Martinière. Ouais, c'était très chaud. Pour moi, c'est une activité qui comptait beaucoup, ça comptait, parce que pour y avoir participé, d'une part, j'ai apprécié ton accueil, j'ai apprécié les contenus, j'ai apprécié comment les réactions de tous les participants, des gamins entre autres. Et je trouvais que c'était une bonne occupation d'une part, et que il y avait dans cette proximité une ouverture culturelle qu'on devait favoriser, qu'on devait encourager. Il y a eu d'autres activités aussi, oui, auxquelles toi-même tu as participé. Oui, alors il y avait les activités aussi liées à la fin de l'année, hein, parce que vous faisiez des concerts et les enfants pouvaient se montrer leurs talents. C'était un peu compliqué des fois, mais je trouve que c'est un bon début en fait pouvoir se présenter en spectacle. Et après, il y a eu le yoga. Avec les activités, c'était une suite complémentaire. Il y a eu la chorale qui a été créée aussi avec Jean-Louis Gautré. Hein. Tu as fait partie de la chorale. Et moi j'ai chanté, j'adore chanter, voilà. Et puis en fait c'était le contact avec tous les profs de musique, ça c'était intéressant aussi. Et de voir tout le travail que vous faisiez pour la culture à Martinet, moi j'ai trouvé ça extraordinaire aussi. Hein.
Alors plus tard, donc comme je l'ai dit, intéressé par cette démarche, la démarche pédagogique de l'atelier musical que tu avais mis en place à la Martinière, et nous sommes rendus compte que nous étions de plus en plus nombreux, parents d'Esnay, à faire le déplacement tous les mercredis, voire le samedi après-midi, etc., Esnay-Martinet. Et donc au bout d'un certain temps, plusieurs se sont dit, pourquoi pas, effectivement, demander à Michel s'il accepterait d'implanter une antenne musicale de l'atelier musical à Esnay. Plutôt que ce soit les enfants et les parents qui se déplacent, que ce soit lui et son école qui ouvrent une antenne sur Esnay. Alors en 1987, j'étais à l'époque aussi membre de la commission culturelle, des affaires culturelles de la commune, présidée par Jean-Nicolas Bué d'ailleurs à l'époque, et on se posait la question effectivement de l'absence ou de la carence de l'offre culturelle en musique sur Esnay. Et donc là, au sein de l'Office municipal des affaires culturelles, nous avons fait la démarche effectivement de rencontrer, d'aller te voir pour te proposer d'implanter une antenne de ton école à Esnay. Cette création d'antennes entraîne le recrutement de nouveaux professeurs. Et nous multiplions ensuite les auditions sur les deux sites, dont certaines seront décentralisées localement. Nous organisons aussi des stages de musique l'été, ouverts aux élèves des écoles de musique du territoire à partir des années 90. Ces stages estivaux sont couplés avec des activités nautiques à l'école de voile de la Normandelière. Musique le matin, voile l'après-midi et un concert en fin de stage. Voilà, vous venez de voir en raccourci 10 années d'existence de l'atelier musical à Martinet. De 40 élèves en 1982, nous sommes passés à 200 élèves en 1987. Ceci dans une commune de 550 habitants. À ce moment-là, beaucoup d'élèves venaient d'Esnay. C'est la raison pour laquelle cette commune nous demande d'installer une antenne à Esnay. Une deuxième association sera alors créée. Elle s'appellera Espace Musical et fonctionnera conjointement avec l'atelier musical de Martinet. Nous verrons dans la session suivante comment ces deux associations vont évoluer ensemble et se développer. Ce sera le sujet de la deuxième décennie. À suivre donc.